Bonjour, c'est moi, le clown de la 5e République. Aujourd'hui, c'est Friday Wear. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Merci, si je raconte. Dissoudre Jean-Marc Ayrault. Non, de remplacer Jean-Marc Ayrault. En plus, j'ai fait un bon plan, là. J'ai les Chinois qui me le reprennent. Ils veulent l'utiliser comme mannequin crash test sur les avions de la Malaysia Airlines. Je remplacerai Jean-Marc Ayrault par Manu Elvals, qui sera le Premier ministre de l'Intérieur. À la justice, Manu Elvals. À l'écologie, Manu Elvals. Au tourisme, Manu Elvals. À l'économie, Manu Elvals. Et au commerce extérieur, Manuel Valls, voilà. Le changement, c'est trop tard. Bonjour, je suis Jean-Marc Ayrault. Je voulais rassurer les Françaises et les Français pour leur dire que je n'étais nullement touché par mon éviction du gouvernement. Bonjour, je suis ici de manière anonyme, je m'appelle François B. Je voulais réagir concernant la nouvelle nomination du gouvernement. Eh bien, moi, je m'en prends. Franchement, c'est pour moi un non-événement. L'événement le plus important, c'est ma victoire hier soir à la mairie de Pau. Et je peux vous dire, pour quelqu'un qui n'a jamais rien gagné, car je n'ai jamais gagné une quine au loto, ni une peluche à la foire. Alors là, gagner au bout de 3 échecs la mairie de Pau, franchement, je suis tellement ému que je vais me faire recoller les oreilles à Lourdes. Mais non, chez en tant qu'il, mais nous chi, en tant qu'il, Godin de sort et fan de pute, hein? Je suis très content d'avoir pu réussir ce grand chelem et mettre Ségolène de côté. Il peut maintenant aller s'amuser dans son bac à sable avec Samia Ghali. J'ai enfin récupéré de qui de droit mon nouveau fauteuil de maire. À mon âge, 77 ans, c'est vrai que c'est plus un fauteuil roulant qu'autre chose, hein? Du coup, de pied ferme, je l'attends, moi, le nouveau Premier ministre de l'Intérieur, hein, Monsieur Valls, qui soit Premier ministre de l'Intérieur ou surveillant de piscine au stade Vélodrome. Hein, avec mon nouvel ami Guérini, nous l'attendons. Hein, on n'a peur de rien. Ouais. Et encore un petit merci, un grand merci, pardon, à tous les phocéens, les phocéennes et les fossiles. Et nous chi, en tant qu'il, mais nous chi. Et voyons. Bonjour, c'est Carlita. Je m'interroge suite à ce nouveau remaniement du gouvernement. Je me dis, si Ségolène se retrouve à l'intérieur, est-ce qu'elle mettra Julie à l'extérieur, alors que Valérie est déjà très très loin? Bien le bonjour, Gilbert Collard, avocat à la robe noire comme cité bleu marine. Même si, avec cette perruque improvisée, j'ai plutôt la gueule de Pimprenelle. Au vu des scores de dimanche, le FL est en train de devenir une NF, une norme française. Et même si certains disent, laissez-moi parler, que j'ai perdu à Saint-Gilles, dans le sud de la France, dorénavant il fait chaud. Toute l'année il fait chaud. J'en ai marre de ce perruque à la con. Bonjour, c'est Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? La Marine nationale qui a fait boire la tasse au PS, n'est-ce pas? Le passé simple. Écoutez, lorsque j'entends la proposition de Monsieur Hollande pour renouveler son gouvernement, n'est-ce pas, et de nommer Monsieur Valls comme Premier ministre, je m'interroge, je pense, je suis couac. Je suis couac, n'est-ce pas, un peu chaud, mais je suis couac. Et je me dis Monsieur Valls. Et pourquoi pas Monsieur Dieudonné, n'est-ce pas, Monsieur, oui, je me gosse. Il est con, lui, quoi, hein. Tais-toi, hein, on ne sait pas, peut-être que Patrick Buisson nous écoute. Bon, je voulais par cette petite vidéo
de début de semaine, féliciter Manuel Valls. Hein. Fraîchement nominé Premier ministre. Hein. Ah ouais, c'est bien Manu, c'est bien. Hein. Ah, tu progresses, Manu. Hein, au-dessus, c'est le président de la République. Hein. Non, et c'est vachement bien, quoi. Qu'on pense que t'as commencé, grouillot, au Parti Socialiste, à faire des photocopies pour Martine Aubry, putain. Hein. Là, maintenant, là, tu... Hein. Ah, non, c'est vachement bien. Hein. Du coup, moi, je vais être obligé de demander l'asile politique au Cameroun. Hein. Parce que là, maintenant, tu vas tout faire pour essayer de me choper les pattes arrière. Hein. Allez, salut, Manu. La France compte sur toi. Hein. Parce que là, on est dans la merde. Hein. Ferme-la, ferme-la à tout jamais.